Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 22 novembre de la MRC Pierre de Sarel. Donc avant de commencer, je prends deux petites secondes pour faire deux mentions intéressantes en lien avec le mot qu'on vit. Donc premièrement, ben, procure, il y a des mères qui portent le nœud papillon, c'est quelque chose sincèrement et vraiment important là, au niveau du cancer de la prostate. Deuxième élément, vous pouvez voir aussi que dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, évidemment, il y a plusieurs municipalités qui ont hissé le drapeau des tout-petits au mois de leur respectif. Puis évidemment, bien, on pouvait voir dans la salle aussi que c'était décoré là, en mode tout-petit, donc bravo. Mais ça, je pense que tu es sur le comité de développement, tu veux peut-être... Certainement. Puis les décorations ont été faites par les enfants du CPE, les Marguerites à Sorel-Tracy, donc c'est eux qui ont décoré la salle aujourd'hui. La semaine dernière, on avait un comité régional de développement social qu'on a axé sur la grande semaine des tout-petits. Richard était présent. Sylvain aussi a assisté à la rencontre qu'on a fait avec des organismes de la région pour nous donner état de la situation de nos petits tout-petits sur le territoire. Donc, des gens du CPE, les Marguerites, de la DPJ et du Carrefour Naissance Famille et du CIS. On parle aussi, principalement de 0,5 ans. Là, mais oui, évidemment... 0,5 ans, exactement. Mais c'est quand même plus... Plus large que ça, ce qu'on a couvert la semaine passée. Et je crois que l'on porte tous le petit carré doudou de la grande semaine des tout-petits pour montrer notre soutien à eux, à ces petits citoyens. Parfait, merci. Donc, sans plus tarder, on ferait l'ouverture de la séance. Évidemment, pour ce faire, il faut adopter l'ordre du jour. On va retirer le point 12.1, on va modifier le libellé de 14.1 un peu en lien avec ce qui avait été écrit à l'heure du jour. On pourra en parler, mais qu'on soit rendu à ce point-là. Et ajout du sujet suivant, 23.1, adoption de la grille tarifaire de la STC de Pierre de Sorel. Et aussi, on retire le 10.1 qui sera entériné plus tard. J'aurais besoin d'un proposeur pour ce faire. Monsieur Patrick Péloquin, Alain Chef de Laine. 4.1, dépôt du compte rendu de la réunion du comité régional en développement social, le CRDS, du 19 septembre. Évidemment, ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer. Vincent Deguise, Richard Gauthier. On est rendu à 5.1, discours du budget. Donc, je me permets, avant de donner la parole à notre DGA, Sébastien, de parler un peu de le travail qu'on a fait. Donc, évidemment, on a un comité budgétaire à la MRC. Il y a M. Michel Péloquin, Alain Chapdelaine, Patrick Péloquin, Diane de Tonancourt, et moi-même, Sylvain Dupuis. On est accompagné par notre directeur général, Denis Boisvert, et Sébastien, que vous allez entendre dans quelques secondes, là, qui est notre argentier de la MRC. On a travaillé sur une proposition qu'on a faite à nos collègues. On a fait, pour se faire, 5 rencontres de travail. Évidemment, là, il y a beaucoup de travail en amont qui est fait par les gens, par nos directions générales, mais après ça, il y a des décisions qu'on achemine vers nos collègues. Évidemment, il y a eu une présentation auprès de nos collègues pour présenter la proposition. Donc, c'est un projet qu'on présentait. Et vous allez voir là, ce soir le fruit du consensus qui va en dégager. Évidemment, on parle quand même d'un budget de 28 176 000, c'est ça, ouais, 547. Donc, c'est beaucoup d'argent. Mais ça s'explique par, vous allez voir, par la démonstration qui va être faite pour présenter le budget en tant que tel. Donc, sans plus tarder, on tomberait à 5.3.1, adoption de la partie 1 du budget 2020. Ah non, on a la présentation avant. Excusez, Sébastien Demers. Désolé, je sautais. Sébastien Demers, je t'invite à présenter avec le PowerPoint le travail en lien avec le budget de la MRC. Merci beaucoup, M. le Préfet.
Donc, bienvenue à la présentation du budget 2024 de la MRC de Pierre-Lesorel. Donc, tout d'abord, présenter un peu les modes de répartition que nous avons là, pour les différentes parties du budget. Donc, pour le fonctionnement de la MRC, la partie 1.1, c'est la richesse foncière uniformisée qui est utilisée là, pour répartir les dépenses de code-part. Pour la partie 1.2, c'est le nombre de bâtiments connectés au réseau de fibre optique. Pour le transport adapté et collectif régional, c'est les frais d'administration qui sont répartis à 100% par la population et les frais d'opération qui seront répartis à 100% selon l'achalandage qui a été déterminé du 31 août 2022 au 1er septembre 2023. Donc, je vais tout de suite faire l'aparté ici. Petite nouveauté pour le budget 2024, la partie 6 a été fusionnée dans la partie 1.3, donc la notion de taxibus n'existe plus. Nous parlons maintenant de transport collectif régional intégré. Et on en a profité là, également pour modifier le mode de répartition comme que je viens de vous présenter. Donc les frais qui sont administratifs sont répartis selon la population dans la MRC et les frais d'opération selon l'achalandage réel là, sur une période de 12 mois. Au niveau du transport interrégional, pas de changement, c'est le principe des couronnes qui est utilisé. Au niveau du développement économique et tourisme, on parle de 50% à la population et 50% pour la richesse foncière uniformisée. Pour la partie 1.5, tous les équipements supralocaux, c'est tous des principes de couronne qui sont utilisés. La gestion des matières résiduelles va avec le nombre d'unités d'occupation dans chacune des municipalités. Pour ce qui est de la société historique Pierre-Lesorel, un principe de couronne et l'évaluation foncière selon le coût réel de l'appel d'offres. Donc, les statistiques qui sont utilisées, là, on a parlé de la richesse foncière uniformisée, la population, les unités d'occupation, on va toutes les présenter ici. Donc, au niveau des RFU, vous voyez à l'écran, en fait, là, c'est les RFU de chacune des municipalités pour 2023 et 2024. Et ce que l'écart présente, c'est le pourcentage de représentation qui varie là, d'une année à l'autre. Donc, les faits à noter ici, ben, Sorel-Tracy, Sainte-Anne-de-Sorel et Saint-David, respectivement, ont les plus grosses hausses de pourcentage de représentation à 0,59% pour Sorel, 0,53% pour Sainte-Anne et 0,37% à Saint-David. Et à l'inverse, Saint-Ours et Yamaska sont les deux municipalités qui ont eu une diminution de leur pourcentage de représentation. Saint-Ours pour moins 1,08 et Yamaska à moins 0,42, souvent dû aux années des rôles. Quand les rôles sont réévalués, ça va créer un impact là, dans ces statistiques-là. Au niveau de la population, donc on a une population en 2024 à 53 282 versus en 2023 de 52 663. Donc on parle d'environ là, 550 de personnes de plus à la MRC. Au niveau des pourcentages de représentation, là, il n'y a pas d'écart significatif ni à la hausse ni à la baisse là, pour aucune des municipalités. Bâtiment branché, donc aucun changement, aucun ajout de bâtiment à connecter au réseau de fibre optique prévu en 2024. Au niveau des unités d'occupation, on a une petite augmentation du nombre d'unités d'occupation dans la MRC, mais au niveau, encore une fois, des pourcentages de représentation, ça n'a pas eu là, de changement significatif. Donc, on va parler un peu plus du budget concrètement. Donc, des tableaux et, pour illustrer là, les montants. Donc, comme M. Dupuis l'avait mentionné, on a un budget de 28 176 547 pour 2024, contrairement à un budget de 2023 de 23 700 000 et des poussières. On parle d'une augmentation de 4,4 millions. L'augmentation est financée à 47% par des subventions, à 44% par des quotes-parts, puis 9% par des revenus divers là, supplémentaires. Donc, je vais attirer votre attention sur la ligne des subventions. Donc, vous voyez, là, en 2023, on avait des subventions de 7,7 millions de dollars et en 2024, on prévoit là, 9,8 millions, donc une augmentation de 2 millions là, en subventions. Pourquoi je veux vous attirer l'attention dessus?
Dans ce tableau-là, ici, on voit les augmentations là, des budgets. Donc, au niveau du transport adapté collectif interrégional, une augmentation de 2,4 millions de dollars du budget, mais financé à la hauteur là, de 2, quelques millions par des subventions. Donc, au niveau des quotes-parts, le transport, bien que c'est un poste de dépense qui augmente beaucoup, il est à coût nul pratiquement pour les municipalités, puisque c'est des subventions qu'on va chercher là, du MTQ pour venir financer la hausse des dépenses. Au niveau du fonctionnement de la MRC, bien, là, on voit c'est un budget de 6,3 millions en 2024, donc une hausse de 738 000. Développement économique, un budget de 1,4 million, une hausse de 650 000. GMR aussi est notable, là, 7,8 millions, une augmentation de 460 000 $. Donc, je vous ai parlé du transport, comment il a été financé. Pour les autres parties, c'est essentiellement les quotes-parts là, qui ont été utilisés pour combler là, l'augmentation de dépenses. Donc, ici, c'est le fameux 9,8 millions en subvention que la MRC prévoit toucher en 2024. Donc, comme je vous disais, là, la subvention du MTQ, la troisième ligne, si on regarde par en bas, une augmentation de 2,1 millions de dollars. Ce que je vous disais, fait que l'augmentation là, pratiquement de dépenses du budget de la STC est financée par les subventions. Puis, peut-être à noter aussi là, au niveau du FAR, vous pouvez voir là, le FAR volet 2, partie 1, qui est des subventions dédiées au fonctionnement de la MRC. Donc, une petite diminution là, à comparativement à l'an dernier. Volet 2, partie 2, le 275 000 $, il s'agit des subventions du FAR dédiées à développement économique. Donc, une augmentation là, qui a été de 100 000 $. On remet l'enveloppe qui était dans les années antérieures à DEPS. Volet 2, partie 3, c'est pour les projets municipaux, donc une petite augmentation dans cette partie-là. Et la partie 4 pour les projets régionaux ben, a diminué grandement. En partie, ben, il a fallu, là, si on a redonné le 100 000 $ à DEPS, il y a un jeu mathématique à faire, là, donc c'est la partie 4 là, qui a été enlevée. Au niveau du FR, volet 3, ben, c'est la subvention pour réaliser Signature Innovation, le projet là, de la MRC en collaboration avec, j'ai un Cryclocentre en tête, là, mais le CGE. Le CGE, voilà, merci. Et puis le FR volet 4, ben, c'est un projet là, qui a pour dans le budget de la fonctionnement MRC qui devrait voir le jour là, en 2024. Donc, pour les subventions, c'est pas mal ça là, qui est à noter. Donc, prochaine diaporative, j'ai trouvé ça intéressant cette année de le présenter. En fait, c'est la répartition de comment est financer le budget. Donc, fonctionnement de la MRC, financé à 23 % par des autres revenus divers, par des subventions à 36 % et on affecte du surplus un 300 000 $ là, pour finir le budget, ce qui représente 5 % du budget. Et la différence, c'est les quotes-parts des municipalités, soit 2,3 millions. Je ferai pas l'énumération au complet, mais aussi ce que je veux vous montrer encore une fois, c'est transport collectif, transport interrégional. Vous voyez que c'est les plus grosses parties des dépenses sont subventionnées, là, sont payées à l'aide des subventions là, du MTQ. Au niveau des GMR, donc le taux unitaire sera à 215 $ en 2024, une augmentation de 15 $ là, versus l'an dernier. La hausse est principalement due là, au contrat avec EBI, qui a des clauses d'inflation. Donc, naturellement, plus que l'inflation augmente, plus que le coût du contrat augmente. Le nombre de portes également augmente. Puis, on a aussi là, la gestion de l'éco-centre qui est dans cette dépense-là, que lui aussi suit le contrat à l'éco-centre, suit l'inflation. Donc, ça provoque là, des hausses à ce niveau-là.
Donc, pour terminer la présentation, en fait, ça va être les quotes-parts pour chacune des municipalités en 2024. Donc, on parle d'une quote-part de la partie 1 du budget, donc qui comprend le fonctionnement de la MRC, la fibre optique, le transport, le développement économique et touristique, le supralocal et la Société historique Pierre de Sorel. Donc, on parle d'une quote-part totale de 8,5 millions de dollars versus en 2023 à 6,8 millions, une augmentation là, de 1,7 millions là, pour les municipalités à ce niveau-là. Pour la partie 3, c'est aucun changement, c'est le contrat d'évaluation là, qui est signé là, avec Cévinec. Donc, tant que le contrat ne sera pas terminé, ben, c'est les mêmes montants là, qui se répètent d'année en année. Donc, si on regarde le budget en sa globalité, on parle d'un budget de 14 968 000 $ en quote-part pour l'année 2024, une hausse de pratiquement 2 millions de $ là, si on compare à 2023. Et puis, habituellement, on présente également le budget là, si on exclut la partie 1.6 DGMR qui est facturée à un taux à la porte. Donc, on voit que le budget, là, c'est une hausse de 1,5 million, 20,47%. Donc, c'est un gros budget pour 2024. Les élus pourront en rajouter plus, mais j'ai été très content de travailler avec vous là, pour élaborer ça. Je pense qu'on a fait un bon travail, puis on espère que 2024 soit à la hauteur de nos attentes. Merci, Sébastien. Merci. Évidemment, vous aurez compris qu'on s'engage dans le développement économique, là. Clairement, ça fait partie des bonnes dépenses, puis le transport aussi. Même s'il y a des subventions, ça fonctionne, on le sait que notre transport fonctionne. Donc, merci pour la présentation. On serait déjà rendu à 5.3.1, adoption de la partie 1 du budget 2024. Évidemment, pour un montant de dépenses, revenus dépenses de 27 928 061. Ça prendrait un proposeur pour adopter le budget. Gilles Alva et Vincent Deguise, merci. 5.3.2, adoption de la partie 3 du budget 2024, évaluation foncière. Évidemment, c'est les gens qui sont touchés par les évaluations foncières. Richard Potvin. Je vais l'appuyer. Diane de Tancourt. Point 6, autorisation du paiement des dépenses. Donc, comme à chaque fois, il faut faire le paiement de nos dépenses. Donc, évidemment, notre directeur général certifie que les crédits sont suffisants par le montant de 321 501,22 $. Ça me prendra un proposeur. Monsieur Michel Péloquin, Denis Benoît, merci. Point 7, rapport mensuel des conseillers régionaux et conseillères régionales. Est-ce qu'il y a des conseillers conseillères? Oui, j'aurais un point à apporter. Vous êtes plusieurs maires à avoir reçu la trousse de l'étiquette « Oser la porter ». Qui est remise par l'Ardoise. Si vous avez reçu cette trousse-là, c'est que quelqu'un chez vous qui a suivi la formation ou vous-même avez suivi la formation de l'étiquette pour l'alphabétisation dans nos municipalités pour adapter nos communications à l'intérieur de nos municipalités parce qu'on sait qu'il y a quand même un taux d'analphabétisme assez élevé dans la région. C'est important d'en prendre compte et d'en prendre connaissance. Vous aurez à l'intérieur de la trousse une plaquette que vous pourrez installer à l'entrée de vos hôtels de ville pour signifier aux personnes que vous êtes, que vous avez suivi, que votre municipalité a suivi la formation de l'étiquette « Oser la porter ». Pour ceux qui ne l'auraient pas reçue et qui voudraient recevoir un jour la formation et la trousse de l'étiquette, il va y avoir en 2024 deux dates qui vont être envoyées là, à vos municipalités, le 24 janvier, le 31 janvier. Ce sera ouvert maintenant. La première formation était pour les techniciens en loisirs, les personnes qui travaillent en loisirs. La deuxième portion sera pour l'ensemble du personnel. Donc, tous les membres du personnel de vos municipalités qui vont vouloir suivre la formation sur l'alphabétisation vont pouvoir le faire. Puis, merci. Je veux souligner le travail de l'Ardoise et de tous ces partenaires là, qui ont pu réaliser cette action-là qui était à l'intérieur de notre plan d'action en développement social. Là. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers, conseillères qui veulent intervenir? Ça va? On serait rendu au 9.1.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux pour la ville de Sorel-Tracy. Bonsoir. Donc, on a deux règlements de concordance de la ville de Sorel-Tracy. Donc, le premier règlement est le
2550 qui vient modifier le règlement de zonage numéro 2222 afin d'ajouter des dispositions relatives aux normes d'implantation des usages autorisés en zone agricole. Et puis, il y a également le règlement 2551 qui vient modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 2225 dans le but d'effectuer la concordance au schéma d'aménagement concernant les distances séparatrices. Donc, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire là, indique que le règlement numéro 2550 est en concordance avec les objectifs et les dispositions du schéma, alors que le règlement numéro 2551 ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et donc vous recommande là, d'adopter les deux règlements. Merci, je vous en proposeur. Richard Potvin, Alain Chapdelaine. Excusez, je ne la page trop vite. 9.1, adoption du règlement numéro 371-23 fixant la date de la vente annuelle d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Oui, donc à la dernière séance, on vous avait présenté un avis de motion là, pour fixer la prochaine vente pour taxes au deuxième mardi juin. On a fait une petite modification, ce sera pour le troisième mardi juin, donc il faut adopter le règlement. Parfait, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Richard Gauthier, Gilles Salva. Avis de motion et présentation des projets de règlement relatifs au code part municipal 2024. Ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je vais le donner. Bien d'être en cours, merci. 10.2, financement des dépenses de la partie 5 relative aux travaux d'entretien et cours d'eau, budget 2024. Oui, alors avant, on avait une partie budgétaire, partie 5, qui concernait les dépenses liées au cours d'eau. Maintenant, on ne l'a pas. Et puis, à partir de là, pour faciliter les choses, dans le fond, vous devriez adopter une résolution pour autoriser le transfert des factures à vos municipalités concernées pour les coûts réels des travaux qui auront été réalisés sur votre territoire. Et puis, il y aura aussi un acte de répartition qui se joindra à la facture aussi pour que vous puissiez facturer à votre tour les contribuables concernés. Ça me prendra un proposeur. Michel Péloquin, appuyé par Richard Potvin. 11.1, développement social, adoption des priorités d'action pour 2024. Quelques-unes. Oui, effectivement, c'est le dépôt des priorités d'action du Comité régional en développement social. C'est ni plus ni moins notre feuille de route pour l'année 2024, étant donné qu'on a un plan d'action assez volumineux. On voulait faire ressortir quelques priorités, dont la sécurité alimentaire, le logement abordable, l'augmentation des actes de violence et de vandalisme, l'itinérance, la pénurie de main-d'œuvre. Il y aura d'autres actions qui pourront s'ajouter s'il y a des priorités qui se dessinent en cours d'année. Donc, ce sont ça sur quoi on va travailler de façon prioritaire en développement social. J'aurais besoin d'un proposeur. C'est un autre en cours, appuyé par Patrick Péloquin. 12.2, le renouvellement de l'entente. Oui, donc tout simplement là, pour vous informer que l'entente avec matériaux recyclés serait tracée pour la vente des matériaux usagés là, va venir à échéance le 31 décembre 2023 et matériaux recyclés là, a accepté de renouveler l'entente aux mêmes conditions qu'elle était déjà, donc sera renouvelée à partir de 2024 pour une période de 2 ans. Merci pour le point d'information. 13.1, parc éolien, Pierre de Sorel, distribution des redevances 2022. Oui, alors il y a un montant de 1 million qui se libère là, pour les distributions. Vous aurez une résolution adoptée pour autoriser le transfert de cette somme aux municipalités. Et puis j'en profite pour vous préciser, là, vous rappeler, préciser que depuis la mise en opération du parc en décembre 2016, les distributions totalisent près de 11 millions à ce jour qui ont été versés à la MRC. À partir de là, c'est intéressant. On a pu assumer les annuités liées au prêt et puis le fonds de prévoyance aussi qu'on a topé là, comme suivant la conformité du règlement qui avait été adopté à 1 million. Ça a été fait là, avec le dernier versement. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Michel Péloquin, Denis Benoît. 14.1, suivi concernant la demande d'obtention d'un droit de passage du club VTT Vagabond pour la saison hivernale. Donc, c'est pour vous informer que nous allons devoir modifier la résolution numéro 2023-10-276 concernant le droit de passage que nous avons accordé là, au club de VTT au mois d'octobre. En fait, c'est qu'il va falloir là, conclure un bail de sous-location avec le club VTT
Il va falloir, premièrement, que le bail de sous-location respecte notre bail avec le MTQ que nous avons à la base. Et puis, il va falloir ajouter un tronçon à celui qu'on avait déjà prévu, donc sur le entre le boulevard Fizet et le boulevard Poliquin. Et enfin, là, que les assurances soient à notre satisfaction, les assurances du club VTT soient à notre satisfaction. Parfait. Besoin d'un proposeur? Marie Léveillé et Richard Podvin. Dépôt 15.1, dépôt du registre de déclaration en vertu du code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC. C'est un dépôt, puis le registre, il est vide, donc il n'y a eu aucun don là, au niveau des employés de la MRC, aucun don, aucune marque d'hospitalité ou autre avantage. Parfait. Donc, c'est un dépôt. 15.2, demande de renouvellement de l'entente relative à l'aide financière à la SHPS, Société historique Pierre de Sorel. Donc, l'entente avec la Société historique Pierre de Sorel venait à échéance, vient à échéance le 31 décembre 2023. Donc, c'est une entente pour l'octroi d'une aide financière annuelle. Et puis, tantôt, là, vous avez là, décidé que ce serait une entente jusqu'à concurrence de 3 ans pour un montant de 330 000 $ donc 110 000 par année. L'objectif, c'est d'assurer la pérennité aussi. Qui voit le temps, donc proposé par Patrick Coloquin, Diane de Tenancourt. 15.3, création du comité régional énergie renouvelable. Ben dans le fond, c'est ça. Vous savez qu'il y avait un comité qui n'a pas été créé encore, mais informel, maintenant, qui discutait. Et puis ce soir, c'est rendu le bon timing pour le créer formellement. C'est un comité qui travaillait pour les possibilités, diverses possibilités de développement en énergie renouvelable. Puis à partir de là, il y a eu des rencontres, plusieurs rencontres qui ont été faites en 2023. Et puis, ça chemine très bien. Puis là, ben c'est ça. Dans le fond, ce soir, par la création de ce comité-là, vous manifestez l'intérêt de la MRC à présenter, lors d'un prochain appel d'offres ou du prochain appel d'offres d'Hydro-Québec, un projet éolien pour en partenariat avec une firme privée. Fait qu'à partir de là, c'est un autre geste qui se poursuit dans le même domaine qu'avant et qui est cohérent avec aussi le mémoire que vous aviez adopté en juillet dernier concernant là, toute la volonté dans le cadre de la consultation du ministre de l'Énergie sur la volonté de faire un plan, d'inciter le gouvernement à faire vraiment un plan de développement en énergie renouvelable. Alors, cette nouvelle marque de la volonté que vous manifestez en tant que membre du Conseil, que la MRC développe avec intérêt un projet éolien, un deuxième projet. C'est un projet qui se rajoutera à celui du parc éolien qui est en opération depuis… Et qui sera pas aussi la même récente. C'est ça. Donc, le comité sera composé de M. Sylvain Dupuis, Mme Saint-Ours, Patrick Péloquin, Alain Chapdelaine, Richard Potvin, Marie Léveillé aussi de Saint-Jérôme-Nagella. Donc, ce serait faire une résolution pour la composition du comité. Oui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Richard Gauthier, appuyé par… J'appuie. Vincent Deguise. Merci. Oui, c'est ça. On va lancer le communiqué. Évidemment, le communiqué, de ce que Denis a résumé, on va se permettre de le lancer dès demain matin, le communiqué, là, évidemment, vu que ça résume essentiellement ce que Denis a précisé. L'objectif, c'est que la MRC confirme son intérêt pour développer un second parc éolien sur son territoire. Fait que, évidemment, vous allez avoir toutes les informations, mais pour le bénéfice de ceux qui sont ici, ça résume assez bien la démarche qui est proposée. Ça marche. Puis évidemment, mais la MRC, par cette annonce-là, veut assumer son leadership dans cette démarche. Donc, puis évidemment, dans les prochaines semaines, dans un court laps de temps, les populations concernées seront rencontrées, seront faites dans la même démarche de transparence qui avait été mise en place au premier parc. Donc, évidemment, inquiétez-vous pas, ça ne sera pas en cachette, ça va être bien, bien identifié, puis on va rencontrer les gens en conséquence. 16.1, enclenchement de la démarche pour l'embauche pour les emplois d'été. Donc, essentiellement, ce sera d'enclencher la démarche. Est-ce que j'aurais des proposeurs? Vincent Deguise, Gilles Salva. Merci. 17.1, position de la MRC sur l'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec.
Oui, donc on a reçu un projet là, spécialisé à notre MRC qui contiendrait là, 66 effectifs. L'entente serait pour une durée de 10 ans. Donc, il faudrait envoyer une résolution là, au MSP là, pour les aviser qu'on désire signer l'entente. Ça me prendrait un proposeur. Patrick Péloquin, appuyé par... Je vais le faire. Richard Gauthier, excusez-moi, c'est parti. Pas de problème. 18 analyses de demandes reçues. Donc, on a quelques demandes. Trois demandes. Maintenant, je cherche mes papiers. Ah, je n'ai pas mes papiers. Donc, la première demande. C'est table de la première demande, c'est Jessica qui va parler. Oui, Jessica, veux-tu me dire la première demande? Je n'ai pas mes feuilles. Les trois non plus, je les ai pas. C'est une demande de la municipalité de Sainte-Hélène de Bagot qui demande au fonds d'assurance de la FQM de réviser la clause de modification de la durée d'une évaluation professionnelle inscrite à leur dernier renouvellement. Dans le fond, la FQM voudrait le réduire à 4 ans alors que présentement, c'est une évaluation à toutes les 7 ans. Donc, ils proposent de le laisser à 7 ans et puis de faire une indexation annuelle raisonnable si c'est nécessaire. Donc, pour eux, ce serait plus raisonnable, puis ils nous demandent notre appui là, dans ce contexte. Donc, on veut donner notre appui à cette démarche-là. Oui, Denis Benoît, Gilles Salva. La deuxième demande d'appui. Oui, elle provient de la table de concertation des préfets de la Montérégie. Désolé. Non, c'est correct. Ma feuille est au bas. Non, ça, pas de problème. Puis, à partir de là, ben, c'est y a des MRC qui ont sensibilisé la table de concertation de la Montérégie par rapport au programme d'aide financière à la restauration patrimoniale du ministère de la Culture et des Communications. Puis dans le fond, c'est une demande que la table a décidé d'appuyer, compte tenu que c'est pour faciliter les travaux de rénovation dans les bâtiments. Puis c'est aussi pour que le ministère précise davantage et plus rapidement les nouvelles dispositions qui s'appliqueront dans le programme prochain. Donc à partir de là, c'est très pertinent de passer une résolution pour adopter pour favoriser toute la restauration qui aura lieu dans les édifices patrimoniaux, qu'ils soient reconnus faibles, moyens ou bien plus élevés, mais c'est pour rendre ça plus accessible, dans le fond. On est d'accord avec ça. Patrick Péloquin, Annick Chapdelaine. La troisième demande est en lien avec le plan Nature 2030. Oui, alors c'est ça. Dans le fond, c'est encore une fois, c'est un sujet qui a été discuté à la table des préfets de la Montérégie, la table qui s'appelle maintenant la table de concertation régionale de la Montérégie. C'est un sujet qui est pertinent aussi parce qu'on voit beaucoup de plans, comme le plan nature, c'est le Conseil régional en environnement qui l'a créé et puis qui l'a mis en place. Mais maintenant, il sollicite les MRC et éventuellement les municipalités pour qu'on puisse s'impliquer et appuyer le plan. Mais à partir de là, la discussion qu'on a eue à la table des préfets, c'était aussi de dire, ben là, c'est parce qu'à un moment donné, est-ce que le ministère de l'Environnement peut se positionner clairement face à ce programme-là et aussi pour donner, déterminer les aides financières qui pourraient être apportées. Parce que les MRC, bon, ben là, si on a à s'impliquer financièrement ou par des ressources humaines, ben il faut qu'on sache vraiment quelle sorte d'aide qu'on recevra du ministère de l'Environnement. Alors, la table nous sollicite là, pour un appui face à cette cohésion qu'on veut aussi, parce qu'il y a beaucoup de plans de nature, plans climat qui prennent jour, dans le fond, et puis à partir de là, bien, ça va prendre une concertation formelle pour garantir que les énergies vont être mises dans un effort commun. Puis à partir de là, bien aussi, en même temps, on va savoir vraiment si le ministère veut mettre des énergies financières, des ressources financières pour aider le monde municipal à aider des organismes comme le Conseil régional en environnement. Parfait, on est d'accord. Donc, je vais proposer par Richard Gauthier et Richard Potvin. Merci. Examen de la correspondance, évidemment, vous avez été en mesure de le faire. Examen de l'invitation, c'est le même enjeu. On serait rendu au 21.1, rappel des modes de scrutin concernant la préfecture ou le préfet SPA. Donc, Denis, je laisse ça. Oui, alors, c'est ça, on arrive à l'item des élections, si vous avez des changements à apporter. Alors, vous vous rappelez, c'est au terme de 2 ans. Les mandats à la préfecture, préfet, suppléant, c'est des mandats de 2 ans. Alors, en tant que la procédure habituelle, c'est que le DG de la MRC est nommé président d'élection et la greffière est nommée secrétaire d'élection.
partir de là, on va entamer, s'il y a des candidats, s'il y a lieu de faire une élection, on va procéder à des élections formelles. Et puis, les élections se déroulent. Vous avez à voter dans la salle attenante, c'est-à-dire la cuisine. Et puis, à partir de là, ben, on vous remet un bulletin de vote par voie que vous avez. Puis, à partir de là, ben, vous les cochez, mais on ne connaît pas. Ça se fait tout de façon secrète. Et puis, à partir de là, vous remettez votre bulletin plié dans la boîte qui est sur la table. Puis, après ça, Jessica et moi, on va faire le décompte des voix qui auront été reçues. Puis, on va venir vous lancer le résultat. Si jamais il y avait des égalités, ben regardez, s'il y a lieu, on se rend à faire un tirage au sort en présence des candidats qui auront été égaux. Je propose Denis Boisvert comme président d'élection. Tu proposes les deux en même temps? Proposer secondé, oui. Denis et Jessica. Je vais l'appuyer. T'en as encore. C'est bon. Alors, on va passer aux nominations ou élections du préfet. M. Dupuis était ici à titre de préfet depuis 2 ans. Et puis, à partir de là, ben, je vais demander à chacun d'entre vous, à toi, à toutes, si vous avez des noms de candidats à proposer. Puis après, je vérifierai l'intérêt des gens que vous proposerez. Je proposerai Vincent de Guise. Moi, je vais proposer Sylvain Dupuis. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Monsieur Vincent de Guise, est-ce que vous acceptez? Vous êtes intéressé? Oui, j'ai l'intérêt à... pour la Monsieur Dupuis? Oui, j'ai l'intérêt à continuer. C'est bon. Alors, on va procéder à l'élection. On va s'en aller, Jessica et moi, de l'autre côté. On vous appelle un à un. On fait, dans le fond, on suit le rang de la table. Et puis, vous aurez à... On va vous revenir avec le résultat. Dans quelques minutes. OK, alors on a fini la compilation des votes pour l'élection au poste de préfet. Il y avait 2 candidats, Sylvain Dupuis et Vincent de Guise. Et puis, le résultat du vote, ça va prendre juste un tour de scrutin. Et puis, c'est M. De Guise qui a été élu préfet. Félicitations, M. De Guise. Merci. Merci, M. Dupuis, pour les 2 ans de dévouement que vous avez accordé à la MRC. Un plaisir. Deuxième poste, c'est nomination ou élection du préfet, ben de la préfète suppléante. Alors, le même principe s'applique. On va prendre des propositions si vous avez des gens à proposer. Proposer Diane de Tornancourt. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, Madame de Tonancourt, ça vous intéresse de poursuivre? Oui, merci. Merci pour la confiance. Je vais continuer. Alors, je vous déclare élu. Regardez, compte tenu qu'il y a eu un changement à la préfecture, l'item 21.4, modification s'il y a lieu de la résolution relative à la désignation des signataires au compte Desjardins. Alors, ça prendrait un proposeur, un secondeur pour qu'on puisse modifier la désignation des signataires. Je vais proposer. Appuyé de. Je vais appuyer. Ah, il ne m'a pas nommé, mais. Ok, t'es nommé. Ok, c'est bon, j'ai. Excuse, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas parlé. Je pensais qu'il n'y a personne qui parlait. J'avais rien entendu, je l'ai vu. Ok.
Donc, à l'item 21.5, nomination ou élection de deux ou trois administrateurs au comité administratif. Bon, l'item parle de deux ou trois. C'est que, dans le fond, le maire de la ville-centre a un poste désigné au comité administratif, qui est aussi le comité de suivi budgétaire. Alors, M. Péloquin, vous êtes intéressé? Oui, oui, oui. Continuez, OK. Alors, il y aurait deux candidats à, qui seraient en une élection dépendant de... intérêts de chacun et il resterait monsieur fin de mandat d'Alain Chapdelaine et de monsieur Michel Péloquin. Est-ce que monsieur Chapdelaine, vous êtes intéressé à continuer? Oui, je suis intéressé à continuer. Okay. Monsieur Péloquin? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, vous êtes déclaré, M. Chapdelaine et M. Péloquin, élu à titre d'administrateur au comité administratif. Ça, c'est un an. Oui. Bureau des délégués. C'est le bureau des délégués, c'est le bureau qui traite les dossiers d'entretien, d'aménagement, tout ce qui concerne les cours d'eau, qui touche deux MRC. Alors, c'est pas la vocation, mais le rôle du comité, du bureau des délégués. Les membres actuels sont le préfet d'office, M. Michel Aucoin, M. Michel Péloquin et M. Benoît est substitut. Alors, le préfet étant nommé d'office, M. Deguise, vous allez être membre du comité. Pas du comité, mais du bureau des délégués. Et puis, il resterait à confirmer M. Michel Aucoin, toujours intéressé. Oui. M. Péloquin? Oui. M. Benoît, de oui. Substitut? Oui. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres propositions? Alors, messieurs, vous êtes élus à titre de membre du bureau des délégués. Il nous faudrait un proposeur secondaire. Pour le bureau des délégués. Je vais proposer. Et je vais le seconder. Comité consultatif agricole, donc le CCA, fin de mandat de 3 ans pour M. Patrick Benoît, représentant de l'UPA de la Montérégie au poste 3, et M. Félix Nadon, représentant des citoyens au poste numéro 6. Alors, c'est deux, comme Jessica me rappelait, le bureau des délégués et le comité consultatif agricole, c'est des comités qui doivent, sont liés avec la loi. Alors, sont créés en vertu de la loi, donc ça prend des résolutions formelles. Pour le fin de mandat de M. Patrick Benoît, c'est un représentant de l'UPA qui a été proposé. Je le propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Monsieur Nadon a proposé sa candidature. Il y a eu des demandes qui ont été faites aux municipalités pour avoir des noms. Et Monsieur Nadon a proposé sa candidature au terme du délai. Alors, il est apprécié aussi, tout comme Monsieur Benoît, au sein du comité consultatif. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Nomination au sein d'organismes externes, Parc éolien Pierre de Sorel, fin de mandat pour Mme Bourgeois et M. Dupuis, ainsi que M. Labrec. Dans le fond, vous aviez adopté une résolution, là, il y a quand même, je pense que ça fait un an peut-être, en novembre dernier, pour qu'il y ait une alternance au niveau du comité, mais que ça ne soit pas bougé tous en même temps, que l'échéance de chacun des mandats n'arrive pas tout en même temps. Toujours pour assurer une continuité là, entre les membres. Et puis, pour M. Dupuis, il y avait été question aussi que M. Péloquin, vous le remplaceriez à terme. Il avait remplacé le maire de Sorel-Tracy, puis c'était convenu que c'était pour une période donnée. Exact. Alors, il y aurait, si vous êtes intéressé, M. Péloquin, oui. Et puis, lors d'une récente... réunion du conseil d'administration de Parc éolien, on a vérifié, pas la disponibilité, mais l'intérêt
de Martine Bourgeois et de Yves Labrec à poursuivre les mandats, leur mandat d'administrateur. Et puis, je pense que les maires qui sont sur le comité peuvent, sur le conseil, peuvent témoigner là, que l'équipe du conseil d'administration de Parc éolien est vraiment complémentaire et ça va super bien. Fait qu'à partir de là, on a une recommandation à vous faire en ce sens pour que M. Labrec et Mme Bourgeois soient également... Moi, je vais proposer Patrick. Oui, OK. Mais on pourrait faire juste une résolution si... pour... T'as mieux voir... T'as, juste un, oui. Ben, je suis pas sûr de l'égalité de ça. Ah, bon. Okay. Je vais proposer Mme Bourgeois. M. Labrec. Moi, je serais tenté de vous dire oui. Je vais seconder les trois. C'est bon? OK. Merci, monsieur. Chapdelaine. En fait, ce n'est pas sélectif. Et c'est des nominations ou pas? C'est ça, c'est des nominations. Si on, que ça le fait. S'il n'y a pas plus de candidats, on a besoin d'élection, donc ils sont élus. Et vous les nommez par résolution. On va être safe comme ça. Il reste, alors, ça clôt les nominations et les élections. Il reste un dernier point avant d'arriver à la période des questions. Donc, adoption de la grille tarifaire 2024 de la Société de transport collectif Pierre de Sorel. Proposé par M. Salva, appuyé par M. Chapdelaine. On serait rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va? Donc, on serait déjà rendu à la levée de la séance. Proposé par Richard Gauthier, appuyé par Michel Pellequin. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.